Salut à tous, c'est Nexos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Et aujourd'hui je vole avec le petit jet anglais, le vampire, magnifique, hein, tout est... Et pourquoi full tank? Il est con ce jeu ou quoi? D'où je parle avec 41 minutes de fuel, j'ai que ça à foutre. 20 c'est largement suffisant. Et je suis chanceux, je vous le dis. Parce que là je suis tombé sur une vraie map. D'habitude là je sais pas, avec le nouveau patch qu'ils ont sorti Gaijin, les batailles de jet, vous tombez sur des maps d'arcade. Why? Je vous jure, on tombe sur des maps d'arcade. C'est un scandale, je vous jure, je pète un plomb. Là depuis tout à l'heure j'essaye de faire une vidéo, je tombe sur des maps d'arcade quoi, c'est ignoble. Vous allez me dire, ouais, tu te plains tout le temps de Gaijin. Bah oui, mais ils font n'importe quoi. Ils avaient un jeu, c'était pas mal. Et ils prennent des décisions qui plombent tout. Enfin, à un moment donné, je vais pas dire oui, c'est bien ce qu'ils font. Hein, trop bien. Non, à un moment donné, moi je le dis. Même s'ils le verront peut-être jamais, moi je le dis, je trouve qu'ils font n'importe quoi, quoi. Là, les batailles de jet histo sur des maps d'arcade, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Autant partir en arcade jet. Vraiment. Mais pas nous forcer à jouer sur des maps d'arcade, c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà, c'est un gros coup de gueule là que je tape aujourd'hui sur Gaijin. À cause de leur nawakitude, hein, on va dire. Ah, s'ils veulent perdre des joueurs, allons-y. Hein, les joueurs histo, de toute façon, déjà qu'on n'est plus beaucoup, si en plus ils nous les font tous partir, on est dans la merde. Hein. Enfin bref, sinon vous pouvez voir que là au niveau de la barre d'étiquette, je crois qu'il y a une banderole. Cette vidéo a été enregistrée avec Action ou un truc comme ça en anglais. C'est parce que j'ai reboot mon ordi. Et j'ai. Il faut que je fasse encore quelques petits réglages. Donc j'ai Action qui me met encore ça là. Faut que je me rappelle comment on le vire. Et voilà quoi, faut que je retélécharge mes jeux, parce que là j'ai retéléchargé que War Thunder. Et ça va le faire. Fallait que je reboote mon ordi parce que vraiment il y avait trop de merde dessus que j'arrivais pas à virer, même avec des trucs spéciaux et tout. C'était n'importe quoi, j'ai fait allez hop, stop it now. Je te reboot, ça va te faire du bien. Et là il est tout beau tout propre, donc tant mieux pour nous, tant mieux pour moi. Très lent ce jet, hein. Putain. Il est lent ce jet. Bref, voilà, donc je vous ai un peu tout dit. Le coup de gueule par rapport au jet histo, là j'ai de la chance, je tombe sur Hokkaido. Attention, hein, c'est pas une vraie map, hein. C'est encore une map pétée anglais contre américain. Hein. Et voilà le. Et le coup de action, donc je reboot mon PC, donc ça c'est normal si vous voyez ce petit truc d'activer. Voilà, j'ai tout dit, maintenant on va pouvoir aller chasser, je l'espère. Donc vous étonnez pas si je rage, parce que là je vous jure je suis vraiment énervé après le jeu là. Donc voilà. Surtout que le vampire, d'ailleurs magnifique aux couleurs de la France, hein, de la marine française, magnifique, qui est très très joli. C'est un custom skin évidemment, hein, vous ne pouvez pas l'avoir dans le jeu, ça se télécharge, c'est gratos, ça fait plaisir. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part qu'on va aller essayer de casser du méchant, je l'espère. Je suis toutes tes vidéos, merci jeune homme. Il y a un S à T et un S à vidéo aussi. Et j'y suis toutes. C'est des vidéos, donc toutes c'est ES. Enfin. Après, voilà. Ah oui, s'il vous plaît, par pitié. Par pitié. Là, je le fais en vidéo. J'espère que du monde le verra. Mais arrêtez. Par pitié, arrêtez de me spammer pour jouer avec moi. Je vous dirai non tout le temps. Je vais vous dire pourquoi je dirais non, c'est pas parce que je suis un connard ou un truc comme ça. Hein. Je vous dis non très simplement parce que si je commence à dire oui à un abonné,
Moralement, je vais me sentir obligé de dire oui un peu, on va dire, à tous les autres. Donc, je préfère dire non pour moi avoir du temps pour jouer pour moi et pour ensuite et puis pour vous sortir des vidéos. Parce que si je commence à jouer avec vous, la plupart qui me demandent de jouer, c'est du bâtière. Donc moi, ça me fait pas avancer. Et je vous le dis clairement, jouer en bâtière, moi, ça m'ennuie. Je vous fais 2-3 vidéos, c'est pour que vous voyez avec quoi jouer de temps en temps. Mais moi, le bâtière, ça m'ennuie. Là, ça m'ennuie énormément. Donc c'est pour ça que je refuse catégoriquement de jouer avec vous. C'est pas parce que je vous aime pas ou autre. Voilà. C'est prévu, j'arrête pas de le dire, c'est prévu que je fasse des custom battles avec les abonnés. Ça, les custom battles à thème ou des trucs comme ça, je dis ça, c'est d'accord. Mais pour ça, le plus simple, ce serait de me suivre sur Twitter, les gens. Venez me suivre sur Twitter, vous verrez, ce sera beaucoup plus simple pour aller faire des custom battles comme ça. Et voilà, ce sera juste plus simple. Vous me demandez d'en faire, oui, moi je suis d'accord, hein, mais faire en vidéo c'est galère parce que le temps qu'il y ait des vues, tout ça, ça se fera jamais. Twitter, au moins si vous activez les notifications sur votre téléphone ou un truc comme ça, hop, c'est instantané. Et ça peut se faire vite, mais ça faut que j'ai plus de monde. Là j'ai 12 abonnés sur Twitter, si vous voulez faire ça, faut qu'il y ait un peu plus de monde. Moi ça me dérange pas, au contraire ça me ferait extrêmement plaisir de faire ça avec vous. Mais pour ça il faut qu'il y ait un peu plus de monde sur Twitter. C'est tout. Ah, ça vous coûte rien de créer un compte et de venir me follow à Atnexos, hein, c'est. Ça vous coûte rien. Putain, mais je vais rien faire sur cette partie, je vais aller à leur base. Choper un ou deux petits B57. Voilà, donc venez me suivre sur Twitter, nom de Dieu, si vous voulez jouer avec moi, qu'on fasse des grosses custom battles, genre Biplan contre P17, quoi, à la sauce des youtubeurs américains, genre Ntac, Flydaily, Baron, tout ça. Moi je suis pour faire comme eux, hein. Moi c'est pas du plagiat, c'est juste que c'est une bonne idée, pourquoi pas prendre une bonne idée pour ma chaîne, quoi. Voilà, pourquoi pas faire comme eux, mais à la sauce française. Ce serait, je pense, assez intéressant. Mais pour ça, voilà, il faut plus de monde sur Twitter. J'ai juste à balancer un tweet, custom battle à machin. Venez me rejoindre, mot de passe, tac tac tac. Hop, à cette heure-là, moi je suis là dans mon accueil, j'attends qu'il y ait du monde. Hop, je pars, j'attends qu'il y ait du peuple et tout. Je serai sûrement accompagné de 2-3 Vinko en plus. Ça fera déjà un peu plus de monde. Et voilà. Juste que vous venez me suivre sur Twitter, enfin, et arrêtez de me spammer de messages, s'il te plaît, joue avec moi, ça ne se fera pas, les gars, je vous le dis tout de suite. Nope, nope. J'espère que vous comprendrez, c'est pour la chaîne que je suis sympa. Après, ça peut paraître égoïste, hein, mais forcément, il n'y a pas de B57, alors. Oui, l'antiaérien qui survit à 20 mm, allons-y. Je vais vite me casser de là parce que je vais me faire shot sinon. Voilà, regardez-moi ça. Elle est nulle cette partie. Au moins vous voyez voler le Venom, mais on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est du kill quand même. Nous, ce qu'on veut, c'est du kill. Du gameplay. Là, j'ai fait 8 minutes, c'est strictement rien passé. Ah, j'ai juste discuté, disque. Je vous ai juste parlé de ce qui n'allait pas là. Et de ce que j'aimerais faire, mais que ça, faut que. Si vous voulez faire ce genre de choses, faut que vous aussi vous y mettiez du vôtre. Hein, parce que moi tout seul, je veux bien vous aider, mais. Je veux bien faire ce genre de conneries, mais tout seul, je pourrais. Rien faire. J'ai pas de moyen de communication avec vous parce que je vous dis, je fais une petite annonce sur YouTube et le temps qu'il y ait des vues, qu'il y ait des trucs, ouais, machin, c'est bon, ce sera trop tard. J'ai pas encore assez d'abonnés pour avoir un impact comme ça en mettant juste une petite annonce custom battle. Donc voilà, faut que vous émettiez du vôtre, que vous vous médiez, que vous veniez sur Twitter, je pense que ce sera le plus simple. Évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, hein.
Ça sera bien aussi. Bon, est-ce qu'on va rattraper ce B57? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est bourré ce garçon. C'est moi où il grimpe. Mais tu fais n'importe quoi, garçon. Bah tant mieux pour moi au pire. Hein. Bouya. Ah, c'était propre et efficace ça. Tiens mon pote. Boum. Yes. Bon bah voilà, on aura quand même réussi à faire un kill. Donc moi je vais retrouver tout de suite pour une deuxième partie qui, je l'espère, sera plus palpitante. Comme ça fera une partie au début où je parle, je vous raconte les choses, et la deuxième partie où on fait un massacre, je l'espère. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est exactement de ce dont je vous parlais. Une bataille histo sur une map d'arcade. C'est de la pure merde. Je vous jure, en plus, je reçois. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi, je vous jure, ça a pété un plomb, quoi. La partie, elle se termine comme ça, voilà, vous voulez tout droit, vous croisez un ennemi, vous tirez. C'est autant, ce que je dis, autant aller en arcade, quoi, ça sert à rien. Ça sert à rien, ce qu'ils ont fait, là. Regardez-moi tous ces abrutis qui essayent, ils sont tous partis sur le B57. Regardez, les deux ils vont se casser la base là, regardez-moi ces abrutis, comment faire un gaspillage massif de bombes. Bon, on va essayer de faire quelque chose quand même. Est-ce que j'aurai assez de vitesse pour grimper? Non, jamais. Never mind. Voilà, la partie est déjà finie quoi. Un Banshee. Ah, vivement le Venom, hein, je vous jure. Bon, bref. Partons gameplay maintenant que bon, la partie est un peu entamée. Tant mieux. Pff, quelle bande de bouffons. Allez, on tente, on sait jamais, ça peut. Un peu de chat des fois. On va partir sur celui-là de Banshee. Allez, hop, on se remet bien sur la chaise et on est parti dans un dogfight de Barjo, je l'espère. Je tiens n'importe comment, lui il est mort, très bien. Ils n'ont plus rien ou quoi? Ça se passe comment la partie là? C'est quoi cette game encore? Ouais, vous voyez que ça gueule dans le chat là. Les gens sont comme moi, ils pètent un plomb, ils sont pas contents. Les gens sont pas contents, c'est tout à fait normal. Ils ont fait n'importe nawak. Bon, il leur reste quoi là en face? Parce qu'il y a des mecs qui. Il leur reste que des bombardiers, tu vas me dire? Oh putain. Là, en blanc. Laissez-le moi, il est à moi celui-là. Hop, on va entamer un petit virage pour se foutre dans ces 6 heures.
Regardez, regardez, regardez. Hop, avec un petit tonneau inversé. Voilà. Et toi, tu me le caisseras pas, espèce d'enfoiré de 6 météores. Et la partie se termine. Voilà donc comment se fait les parties de jet maintenant. C'est de la pure douille. On tombe sur des parties, sur des maps d'arcade, quoi. C'est tout à fait incompréhensible. Et j'espère que la communauté va bien gueuler parce que c'est un scandale. Je vous jure, ça fait péter des plombs. C'est juste pas normal, quoi. Ouais. Je vole encore, je suis même pas mort. Voilà, donc si cette petite vidéo au vampire quand même vous aura plu, la petite manœuvre pour battre le B57, j'avoue qu'elle était. Elle était pas mal. J'ai kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à vous abonner et donc à me suivre sur Twitter, hein, bande de saloupio. Créez-vous un compte, nom de Dieu. Et voilà, donc si vous êtes d'accord avec moi pour le scandale de l'histo tank, de l'histo jet, enfin des trucs comme ça, c'est n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous partagez mon avis. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Nexos.